Aujourd'hui, les enfants, on est interprété par, comment ça s'appelle déjà, NCIS. NCIS, c'est Gibbs. Il est under, enfin Saint-Just. Et c'est un conducteur professionnel, donc on n'a pas appel à vous pour pouvoir nous aider à élucider cette enquête. C'est bon? Voilà. Alors je vous présente l'équipe. Hein. Donc on a Doki. Gibbs, j'ai perdu mon nom. Kizonzo, ils sont deux. Abby, d'accord. Et puis alors vous, on va vous demander de plonger et de nous rendre un certain nombre de choses, d'accord. Donc on va faire une première, on a combien de groupes de blocs. On peut faire combien de palanquées? 3 palanquées de 2, d'accord. Donc vous deux, vous êtes une palanquée, d'accord. Vous deux, vous êtes une autre palanquée, et vous deux, vous êtes une autre palanquée. Vous, vous allez les aider à s'équiper, d'accord, et vous allez partir en autonomie. Donc deux choses. Un, vous êtes toujours ensemble l'un et l'autre. Il y en a un qui travaille et l'autre est là pour vérifier qu'il ne déplace rien du tout. D'accord. Parce que la scène de crime, il ne faut absolument rien déplacer. Donc vous ne vous posez pas dessus, vous ne mettez pas des coups de palme, d'accord. Et vous allez aller avec des parachutes, vous allez m'identifier la zone, il faut mettre un parachute à 4 angles du corps pour qu'on puisse le voir depuis la surface et prendre la position GPS. D'accord. Ok. Bien sûr, vous serez filmé par Dinozo, qui pour la procédure va regarder que tout est fait dans des conditions idéales. Ça vous va? Alors les trois équipes là, vous allez vous équiper, on se mettra à l'eau ici dans 50 cm d'eau, on part doucement, normalement la victime on devrait la trouver dans 1 mètre, 1,50 m d'eau maximum, ok. Et vous pensez bien à faire passer vos oreilles en descendant, d'accord. Allez vous équiper, on vous attend ici.
imaginez que les mains sont au bout des manches, d'accord ? On a affaire à un manche. Voilà, mais une main virtuelle. Donc vous allez mettre un sac plastique au bout de la manche, d'accord ? Et pour pas que ce sac parte, il faudra lui mettre un petit élastique dessus, d'accord ? Sentez bien que le sac est rempli d'air, il faudra qu'il soit rempli d'eau. Tiens, Laura.
ramener le corps par le fond. D'accord? On peut le ramener juste ici et on sortira l'eau au milieu de la piscine là-bas. D'accord? Allez, c'est parti, essayez de se synchroniser. Le fond. Bon, on recommence.